Hey, salut tout le monde, c'est Styx, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de ma série sur WWE Supercard. Et donc, comme vous pouvez le voir, on est en King of the Ring là. Et on est en finale. J'ai réussi à arriver jusqu'en finale de mon King of the Ring. Et on a gagné un match chacun. Donc voilà, j'ai gagné le premier avec 1, 3, non 4-1. Et le deuxième, je l'ai perdu. 3 à 2. Et donc là, c'est le dernier match. J'espère franchement que je vais le gagner. C'est mon premier, enfin c'est mon deuxième King of the Ring que je fais. Et donc ce serait plutôt bien de le gagner. Enfin, King of the Ring en endurci, hein, je parle. J'ai déjà fait des autres King of the Ring, bien sûr. Aussi, ma Brock Lesnar, ma première, est entraînée à fond. Et la deuxième est presque entraîné à fond. Voilà, il lui reste plus quelques matchs à faire. J'ai continué un petit peu d'entraîner ma Liv Morgan. Il lui reste 15 niveaux à passer. Voilà, ces matchs ils sont bientôt finis. Dans 10 secondes, on va savoir qui c'est qui a gagné le premier match. Attention. Allez, si on gagne le premier, ce sera déjà bien. Oui, 1-0. Bon, je vais vous reprendre après. À la fin du deuxième match, j'espère vraiment le gagner, ce King of the Ring. Allez, à tout de suite. Si je gagne le deuxième match, ce serait ouf. Attention, faut vraiment que je gagne ce King of the Ring, ce serait trop cool. Attention, est-ce que je vais gagner? Oh, 1-1, dommage. Bon, voilà. On va se retrouver après, là, dans 2 minutes, pour voir si je gagne 2-1 ou il va gagner 2-1. Là, tout de suite. Allez, c'est parti, on va savoir si qui va gagner le prochain point. Attention. Allez, faut que je gagne, là. Allez, 2-1. Oh là là. Bon, si je mets le prochain point, c'est bon, c'est la victoire. Bon, s'il met le prochain point, il faudra attendre vraiment la fin du match pour le savoir. Après, je sais pas, je crois qu'il faut encore attendre 45 minutes pour récupérer ses récompenses. Donc, de toute façon, soit j'aurai une carte endurcie, ou soit j'aurai une carte endurcie plus une carte SummerSlam. Donc, ça va être hyper cool. Donc, voilà. Donc, ça va, j'avais bien entraîné mes cartes, j'avais mis des. Comment dire, des améliorations, voilà. Donc voilà, le calendrier, non, c'est pas ce que je voulais faire. Donc j'ai eu 34 victoires et 17 défaites, hein, c'est plutôt pas mal. Je suis arrivé 6e à la fin du classement. Donc après j'ai battu le 3e, après j'ai battu le 2e. Et là, what? Pourquoi il me dit que j'ai gagné? Attendez, j'ai pas gagné. On va voir, mais c'est chelou. Alors, je sais pas, c'est mis en avant ce là, parce que je sais pas, je fais pas souvent de King of the Ring en fait. On va le savoir là, de toute façon, si j'ai gagné. Je vais pas faire de coupure juste pour ça. Donc voilà, je suis plutôt content de mon King of the Ring. En plus, c'est vraiment le premier que je joue parce que celui d'avant, c'était juste pour train quelques petites cartes. Et celui-là, vraiment celui que je voulais gagner. Et je suis arrivé en finale, c'est déjà plutôt cool. C'est bon. Le 3-1 ou le 2-2. C'est bon. Oh, le 2-2. Bon, ça me paraît chelou, hein, ça, qu'ils me disent que j'ai gagné. On peut pas voir le résumé de la rencontre. Bon, je vais vous reprendre dans 1 minute 50 pour voir si j'ai gagné ou pas. Allez, à tout de suite. Allez, on va enfin savoir le verdict dans 12 secondes précisément. Oh, j'espère que je vais le gagner. J'espère que je vais gagner. Oh my god. 3, 2, 1. Oui, c'est la victoire! Ouais, donc voilà, faut bien attendre 50 minutes
avant de récupérer les récompenses. On va regarder ce qui s'est passé. Donc je remporte le premier match avec ma Carmella Pro contre une Carmella normale. Après avec sa Orton Pro, c'est normal, il m'a battu. Ah bon, sa vieille Sheamus survivante. Ok, les Women. Et c'est mes deux Lesnar qui ont fini le truc. Bon bah voilà, je suis plutôt content. Mon premier King of the Ring est gagné. Bon, je vais écrire GG dans le chat. Parce que voilà, nous on est gentils. Et donc voilà. Bon, je vais vous retrouver dans 50 minutes pour récupérer ma récompense maintenant. Et là tout de suite. Oui, donc j'avais aussi oublié de vous préciser, ma fusion sera dans une journée et 21 h. Donc ça se rapproche. Ma première carte élite. Donc je suis plutôt content. Enfin, j'espère pas avoir. Voilà, moi je voudrais trop Maryse. Parce que voilà, c'est plutôt cool. Après, j'aime pas trop les American Alpha, donc voilà quoi. Puis bon, Scott Dawson et Dash Wilder, voilà quoi, c'est pas. C'est pas vraiment un truc de fou. Donc voilà. Ah, donc je viens de me rendre compte qu'il y avait un Ring Domination qui avait été annoncé en équipe. Donc on va. Donc apparemment la carte. La WrestleMania, ça sera Roman Reigns. Donc la épique c'est Randy Orton. La légendaire c'est Naomi. La Survivor c'est Ultimate Warrior. La WrestleMania c'est Charlotte. La SummerSlam c'est Big Cass. La Endurci c'est Kevin Owens. La Elite Seth Rollins. Oh, la Ultime Dean Ambrose. Et la WrestleMania 33 Roman Reigns. Donc là il reste 28 minutes. Donc on va se retrouver après. Oh, ça y est les amis. Le King of the Ring est terminé. Merde, j'ai mis calendrier. Le champion French Gamer. On va récupérer notre récompense. Carte endurcie plus carte SummerSlam. Oh my god, les amis. J'espère que c'est une pro. J'espère que c'est une pro. J'aimerais trop Sami Zayn ou. Ou je sais pas moi. Enfin, une carte que j'ai déjà quoi pour pro. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Mais sérieux, mais c'est quoi de ça? Putain. Mojo Rawley, mais c'est quoi de ça? Oh mon Dieu, je vais me suicider. Bon, on va passer à la SummerSlam maintenant. The Rock, ok. Mais non, Mojo, mais c'est quoi de ça? Bon, je vais relancer tout de suite. King of the Ring. Bon, je sais pas si j'aurais dû faire ça en fait. Non, on va faire ça. Hop. Hop. J'essaie de faire à peu près comme j'avais fait. Hop. Alors, on avait mis John Cena. Je crois que c'est bon. Allez, c'est parti, on relance le King of the Ring. Alors, est-ce que on va pouvoir le rajouter dans le deck, je pense, oui. Non, je vais. The Rock, je vais l'utiliser pour entraîner ma Liv Morgan. Hop. Ah, voilà. On est en robustesse.
Bon, du coup, notre Lisnar, va falloir finir de la fin de l'entraîner. Normalement, ce sera bon pour le prochain King of the Ring. Donc voilà. Oui. Donc, je vais verrouiller Mojo. Voilà. Bon, je suis très déçu, franchement. On va faire un ou deux matchs classés, et puis voilà, on va s'arrêter là-dessus. Je suis très déçu. J'espère que le prochain, je vais le gagner aussi. Ce serait plutôt cool. Allez, Randy Macho Man. Non, Randy Man Macho Savage. Ok. Il n'a pas l'air de s'y connaître, lui. Randy Man Macho Savage. Hop. Allez, c'est parti. Ah, il a gagné. Là, je gagne. Oui, et... Ok, victoire. C'est parti pour la victoire. Hop, on a presque 7000 trophées. C'est plutôt cool. Donc ce soir, j'hésite de tourner un épisode sur l'événement. Ou alors je ferai un live, je sais pas. Je vais peut-être tenter de faire un live, ça serait plutôt cool. Donc je ferai un live tranquillement. Pour bah voilà, pour jouer un petit peu à l'événement d'équipe. Plus là, ça tombe bien. Vendredi, bah, je suis en vacances. Donc après, je vais pouvoir vraiment jouer à fond les événements, les King of the Ring, tout ça. Donc voilà. Hop. Ah, dommage. Kevin Owens qui bug Brock Lesnar. La victoire. Bon, on va piocher les cartes, puis après on va s'arrêter là. Voilà, c'est parti. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et puis ben, si vous voulez voir la suite, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.